Vas-y, monsieur, vous pouvez y aller. Merci, monsieur. Au revoir et faites attention sur les routes, monsieur. Un peu trop excité à mon goût comme garçon. Vous avez la possibilité de passer un morceau du traceur pour qu'on puisse louer Je ça. crois que c'est un peu impossible. Il n'y a que celui qui l'a posé Ah d'accord, ok, autant pour qui moi. a le point sur le GPS. Bon, alors, on va aller jeter Ouais, il un va avoir œil filature. rapidement au niveau de. J'ai mis un point sur la carte, confirmez-moi que vous le voyez. Au niveau du champ de cocaïne au nord d'Atira. Tout à fait, tout à fait. Oula. Allez jeter un œil, j'ai vu un. Le Tempest qui est passé tout à l'heure au niveau de Kavala, il vient de repasser. Enfin, je sais pas si c'est le même, mais en tout cas, Et c'est le ensuite. même type de véhicule. On va aller jeter un œil pour être sûr. Merci. Je vais mettre mes trousses à outils hein, dans le véhicule. Hein. Vous voulez conduire hein, peut-être mon adjudant? Ou brigadier? Au choix. Non, je peux. Très bien. Je Alors, surveille la position du. s'il dit vrai que des mecs lui ont donné de la drogue, Vas-y. ils ont peut-être mis un traceur aussi. Ouais, c'est possible, c'est C'est bien que t'aies dit possible. que c'est une nouvelle chose là. Ah oui, tout à fait, tout à fait. Vous voyez en ce moment la position du véhicule? Je crois Oui. qu'il se dirigeait vers la douane. Ah non, il est parti sur le gravier. Gravia, très bien. Je mets à jour tous les traitements. On les connaît tous, Ouais, hein. poursuivre les chauffeurs. Personne qu'on a interpellé avec beaucoup de drogue a bénéficié d'une réduction totale de sa peine en nous donnant toutes les On vient positions. de, je viens de recevoir un message privé sur mon téléphone. Je crois que ce monsieur s'est trompé. Qui me dit: Bonjour monsieur l'agent, il y a un homme mort dans le sud d'Attiré aux coordonnées suivantes 144-179. Pense que Est-ce que c'est vous la pouvez venir? personne qui était sur la route. Tout à fait, je pense que. Je vais lui répondre quand même. J'étais pas au courant pour les traceurs GPS. Non, c'est Bah, il malin. les a ajoutés hier soir. Ouais, je sais, bah, j'avais vu qu'ils avaient été ajoutés, mais bon, on n'a pas eu de briefing entre guillemets dessus, donc. Comment vous écrivez dealer? DEALER ou Tout à fait. DEALEUR? Tout à fait, tout à fait. Votre première proposition, DEALER. Effectivement. Bon. Très bizarre écrit comme ça. Ah là là, en 91, 186, Il je manque. suis blessé. Je vais appeler les médics. Je crois qu'il manque quelque chose en plus. Police pour médecin. Ah oui, effectivement, il manque quelque chose. Ouais, il manque un chiffre. Ça sent l'embuscade. Je sais pas, on va voir. Attendez. Oh, On a c'est une beau. personne blessée qui nous a envoyé des coordonnées GPS, mais visiblement il manque un chiffre dedans. On va lui renvoyer un message pour lui redemander et on vous contacte. Ah, ça commence à chauffer, on va aller direction le champ de cocaïne. Bon, on y va Commence à direct ou chauffer un on peu. passe par les Elle est collines? belle la police, elle sait On pas va passer écrire par les collines. dealer. Mon Dieu, mais putain! Par où? Ouais. Encore le temps, hein. Pour l'instant tu peux prendre la route. Si vous voyez sur votre carte, on a une signature d'un véhicule à la droite là. Non, absolument pas. Négatif. Vous lui avez redemandé les coordonnées Il y a complètes? un véhicule juste devant. Ouais, il y a le taillage de diamant qui est juste à côté. Ah ouais, ça c'est possible, le montage de Ouais, diamants en ouais. pick-up. Je vais lui en redemander les coordonnées précises. Ou je lui demande tout simplement de contacter à la rigueur directement les médecins. Ouais, c'est mieux. Ça ira plus vite. Mais un mec. Bon, il rejoint la route pour l'instant. Direction de Kavala. Bah, peut-être qu'il a décidé d'arrêter sa carrière de criminel. Près de Kavala, il y a la C'est possible. plantation d'héroïne, hein, brigadier. J'ai toujours de l'espoir pour lui.
mais vous savez, en principe, une fois qu'on met un pied là-dedans, c'est difficile d'en ressortir, quoi. C'est comme des sables mouvants, hein. Par contre, le monsieur, je le retrouve pas. Mon fils, je sais pas quoi. T'as un pseudo chelou, le mec. Je crois qu'il est plus là. Terriblement efficace, ces traceurs. Ah si, mon fils, tes bagues. Voilà. Bon, je propose de continuer un peu à pied, mais normalement on aura le visuel sur le champ. Demi-tour. Ouais, ok. On est où là? 1,2 km, on a du long. Juste à côté du tâche de diamant, juste au-dessus. Hop. Oui, tranquillement. C'est grâce aux enquêtes. Ouais. Vous avez les positions grâce aux enquêtes. Ouais, Albatrax. Ouais. Tape la dernière lettre. Trouve la personne dans le Z. Ouais, Dreamax, c'est bon, on a trouvé, c'est gentil en tout cas, merci. Laisse un mec dans la voiture au cas où. Bah, c'est pas à moi de gérer ça, malheureusement. Moi, je suis recru, hein, donc. S'ils prennent une voiture pour aller plus loin, vous ne pouvez pas suivre. Ouais, je suis d'accord. Je sais bien, mais malheureusement, je peux pas tout le temps suggérer des trucs, tu vois. Sinon, après, il va croire que je le reprends tout le temps, l'adjudant. Et voilà. On va le laisser tranquille, hein. Il fait comme il le veut, tu sais, il organise son truc comme il le désire. On va aller tranquillement prendre un point haut, pour rester pas groupé, quand vous déployez un espace de 5 mètres minimum. Et avancer en ligne. Militaire, bro. Ben non, ça dépend de la situation, là, il n'y a pas besoin, là, on n'est pas en formation de battue, il n'y a pas besoin. Hein. Attendez, attendez. Ok, oula. Vous voyez quelque chose Allez, hein? reste. Apparemment, il a vu quelque chose. Putain, coupure juste après ma question, du coup, je sais pas ce que tu m'as dit. Ouais, c'est grâce aux enquêtes, Albatrax, je disais. Une Alors, vache. deux véhicules, deux tempestes. Non, un tempeste et un Ouh. fourgon de caisse. Deux personnes visiblement pas armées pour l'instant. Non, Effectivement. visiblement pas armés, et quand Oh bien même ils putain, on a sont du armés, gros on ne sait poisson là, pas on a comment du ils sont très très gros armés. poisson là. Alors, un fourgon caisse, un Ouh. tempeste de transport, non couvert, ok. Faut une caisse blanc. Ce qu'on va faire, c'est que. On va pas attendre qu'ils aillent au traitement. On risquerait Allez, vous. de les perdre malheureusement. Ouais, vous allez rejoindre le véhicule avec le brigadier là. Moi je reste ici. Dès que je vois qu'il quitte le champ, vous venez me chercher et top intervention. Et Reçu, on va priorité dire. le tempeste. Merci. Allez-y. Oh, ça va chier. Intéressant ce live. Ouais, tout à fait. Ouais. Là, c'est, ça part bien. Ça sent la grosse prise, ouais. Restez à couvert avec le véhicule, enfin restez hors de vue quoi. Merci. Oh, ça va sentir la grosse prise. Oh, ça va sentir la grosse prise. Contrôler sur les routes, c'est chiant d'être contrôlé au point de traitement. Oh ouais, t'inquiète pas, tornade. Oh, il y a du poisson. Oh oui, là, c'est la grosse truite, là. C'est la bonne truite, comme on les aime. Là, il y a du très gros poisson, là. C'est une belle dorade. On a une belle truite avec une grosse dorade, avec du citron dessus, là. Avec un beau petit coup de citron vert dessus, là. Tu te rends compte ou pas? Là, ça sent bon. Vous voulez conduire, brigadier? Pardon? Vous voulez conduire peut-être, brigadier? Allez-y, allez-y. Vaut Bien mieux que reçu. ce soit où s'il faut faire une Bien course poursuite. reçu. Je vais essayer de trouver quand même un point de vue sur la route qui est juste à côté. Pour être pas mal. Qu'est-ce que vous en pensez? Ah, on a un beau point de vue là-bas.
On a un bon point de vue hein, à ce niveau-là. Bon, en fait, on n'est pas si mal que ça. Peut-être avancer légèrement. Ouais, cacher la voiture dans la forêt parce que il est possible que d'autres véhicules arrivent sur zone et laissent de prévenir ceux qui sont déjà là-bas s'ils nous voient. Tout à fait, tout à fait. Je vais vous mettre un point sur la carte, messieurs. Vous allez aller juste. Non, rien en fait. Si je vais mettre un point, quand je donne top intervention, vous venez me rechercher et on ira se mettre à l'endroit là. Mais reçu. Ouais, Spinox, ouais, t'inquiète pas, on va pas rusher. Là, en fait, on va les choper ici. Yo, yai, comment tu vas? J'aurais plutôt dit une grosse carpe dorée. Ouais, je suis pas trop calé en poisson, donc je voulais sortir des poissons de ouf, mais. Défoncer le brigadier. Non, non, il est pas défoncé, absolument pas. Là, on est ready. Qu'est-ce qu'il nous fait? De base, c'est de venir me rechercher. On se met en stand-by derrière le bâtiment où j'ai mis le point sur la carte et on pose les airs sur la route juste devant. Mais ensuite, vous voulez pas peut-être que j'aille poser des herses en amont pour être certain de les avoir? Ouais, mais faites ça rapidement. Alors, et si je vous dis de revenir, vous revenez même si les airs sont pas posés. Hein. Bien sûr, on y va immédiatement. Mettre une dernière par ici. Elle est vachement visible Mettez-en celle-ci. dans les deux sens de la route, en perpendiculaire, en parallèle pour un maximum d'effet. Est vachement visible celle-là. Hein. Parce que ce que t'en penses. Ouais, mais après, enfin, si les voies, elles vont essayer de passer par le off-road, j'en ai mis aussi un off-road. Je pense qu'on peut y aller, hein. Je sais pas ce que vous en pensez, brigadier. On a eu le temps de passer sur nos airs, ça. Les R se sont placés. On en a mis 7 exactement. Ouais, d'accord, ok, c'est bien reçu. En Rapprochez-vous de moi fait. maintenant. Surprise! On va être sûr de l'avoir quoi. Merci monsieur Binzai pour ton host, c'est très gentil. C'est super gentil, salut à toi en tout cas. Bon là on va choper du gros Alors poisson. pourquoi je skie pas quelqu'un qui passe en venant nos charmes? Parce Normalement que les airs, on je le les verra. vois Hein. aussi. Vous voulez qu'on vienne vous chercher ou on reste en position comme tout à l'heure? Ouais, reste en position pour l'instant. Merci. Ok, on a un individu qui est remonté dans son camion, c'est l'individu du fourgon caisse. À la limite, s'il part, lui, c'est pas la priorité. Il va taper l'air. Ouais, et il risque de prévenir son camarade. Merci beaucoup monsieur Yen pour ton follow, Pour bienvenue à l'instant, il toi, a bonne l'air de année, bonne l'attendre. santé, plein de bonnes choses. Voilà, pour résumer, pause, je reprends vers 20h, donc je t'offre mes viewers mon poteau. C'est très gentil Binzai, c'est super gentil, c'est très très gentil de ta part en tout cas.
Là, en fait, pour résumer, on a chopé des mecs qui sont au niveau du champ, qui sont en train de farmer. Nous, on a posé les Le milieu RCC. GPS démissionne Lui, tout à c'est l'heure, il est où? l'informateur, le Ouais, spotter, et nous, on justement, est je prêt à viens de regarder, l'intervention. là, le Zamak, il est à la station de service ADP11. Ah, étonnant quand même ça. Bizarre, bizarre. Yo, Inka, comment tu vas? Ouais, qui sait, peut-être. Ok, Benoustaï, y a pas de souci. Bon, on est prêt. On attend le top intervention là. Il y a des herses de partout. Où est-ce que la route elle va exactement là? Elle part par là. Croisement, il est à peu près là-bas. Ouais. Me chercher, ils vont partir. Là aussi, on arrive. Elle avance plus la bagnole ou quoi là? Je crois qu'elle est bloquée. Je crois qu'elle est bloquée la caisse. Comment ça? Ah, c'est bon, c'est bon. Non, non, elle est vraiment bloquée la voiture. Alors, on a un petit souci, le véhicule est Ça bloqué. tombe pas bien. Je vais essayer de retourner, essayer d'avancer. Ouais, vas-y, vas-y. Toujours pas. C'est cette connerie là. Putain, comment ça le véhicule est immobilisé quoi. Ouais, le véhicule est totalement immobilisé. Impossibilité de. Débloquez-le rapidement, ils approchent à haute vitesse. Ouais, mais le problème c'est que le véhicule était. Il veut plus du tout avancer quoi. Essayez de le retourner. On a essayé plusieurs fois malheureusement. Je vais essayer de le réparer. Non, impossibilité de le réparer non plus. Je démonte une roue et je le remets, on va voir. Putain, c'est cette chance, mais c'est incroyable ça quand même. Je pense qu'il faudra aller à pied. En train d'essayer de changer une roue, on va voir ce que ça donne, mais sinon je pars à pied avec, avec le brigadier. Ouais, le véhicule ne veut plus bouger, hein. Allez-y, montez, vous allez voir. Sauf si, peut-être que. Ah non, il veut vraiment pas avancer. Attendez, restez dedans, avancez, accélérez, accélérez. Ah, j'accélère, mais. Ah, ça y est, nickel. Vas-y, on y va, on y va. Putain, on a eu de la chance. Hein. Maintenant, faut pas qu'on les perde. Ouais. Ouais, ils sont pas encore passés, hein. On les a pas vus arriver encore. Vous voulez qu'on se passe derrière le hangar, mon adjudant? Merci. Pointif. Les airs sont posés un petit peu en amont, c'est ça? Oui, juste devant. Peut-être reculer encore un peu. Voilà. Vous voulez qu'on se place ou qu'on reste dans le véhicule? Pour l'instant, on va rester dans le véhicule. Bien reçu. Je laisse le véhicule au cas où, hein, ouvert. Attendez, moi je vais aller me mettre derrière les rochers là rapidement. Bien reçu. Oh, ça va être chaud! Oh, ça va être chaud! J'aime bien ce genre de truc, quoi. J'aime bien le machin de cette route, l'adrénaline et tout, là t'es chaud. Donc, tu vois où ils en sont. C'est bizarre qu'ils arrivent, qu'ils mettent autant de temps. Ah non, tu me diras, il y a tout ça à faire quand même. Un peu bizarre qu'ils arrivent pas. C'est bizarre, c'est bizarre, c'est bizarre. C'est étonnant qu'ils soient pas toujours là. Oui, tout à fait, oui. Comment ça se fait qu'ils sont pas là, putain, merde. Merde alors.
Tant pis, on contourne les herses là, passer par l'arrière du hangar et on va sur le champ directement. Bien reçu. Ah, ils prennent trop de temps, Vous les avez vus soit. Partir exactement, Oh ouais, l'avion? affirmatif, ils avaient pris la route là. Donc soit ils ont pris en off-road et on les a perdus, soit ils essaient de nous mettre la bite, soit je sais pas ce qu'ils font. Bien reçu. Et quoi qu'il en soit, on y va. C'est pas une Ouais, ligne spéciale de c'est fort probable, cynisme Spinox. plus tard. Stream Peu Talk? Non, peut-être importe, pas. brigadier. Par contre, après, il ne faudra pas oublier les passeurs à Ok, fourgon, Massilias. caisse droite, devant, droit, devant, code 2. Bien reçu. De mettez le code 2. On se dirige direct dessus. Ouais, Comme ça, tu vois. allez-y, allez-y. Ah, Sinon, droit, devant, il y juste. a un gars qui ramasse. Droite. Klaxon. Monsieur, bonjour. Police Attends l'état nationale. d'arrestation, monsieur. Pardon? Mettez mes mains sur la tête, monsieur. Mettez les mains sur la tête. Vous êtes en état d'arrestation. Police nationale. Je vous préviens, il vient juste d'avoir un mort ici en fait. Vous avez abattu quelqu'un, monsieur? Je sais pas, je vous entends pas, je vous entends très bas, celui qui parle. Vous avez abattu quelqu'un? Non, non, bien sûr que non, j'ai pas d'armes sur moi, vous pouvez vérifier, mais Re, on vient il y a d'interpeller les deux mecs qui étaient en train quelqu'un de sur qui le est champ là, qui de regardait cocaïne là. où Qui des était en train de valises, ramasser. il est mort il y a quelques secondes avant que vous arriviez. Qu'est-ce qui s'est passé alors? Bah écoutez, je sais pas trop, je me suis retourné et il était plus là. Je pense qu'il a dû avoir un accident. Ok, donc vous êtes en état d'arrestation pour comment? Pas de trafic pour l'instant, mais bon, je pense que ça allait être le cas. Ouais, les Récolte de stupéfiants. intéressantes, 17 feuilles de coca. Voilà, donc on est d'accord. De toute façon, ça fait un petit moment. On a vu le. Je vous explique la situation. On a vu le typhoon là. Le Tempest, on l'a vu passer sur Attira tout à l'heure. D'accord. Et on l'avait déjà croisé sur Kavala plus tôt dans la journée. Comme on a la position de beaucoup de points de traitement illégaux, on s'est dit qu'on allait. Fourgon caisse ouvert. Typhon fermé. Faudrait que mission nous file les clés, qu'on en prenne les deux camions et qu'on se barre. On l'appellera plus tard le monsieur Boris là. Tu t'es fait combien avec la première prise de drogue? Je sais pas du tout, Baudilaire, qu'on fera ça à la fin Vous avez en les clés soufre. du Tempest, monsieur? Ici, affirmatif. Alors je vais vous démenotter. Je vais me les donner, sergent adjudant Belfort. Hein, vous pouvez. Bah, ouais, la personne n'est pas armée. Reprenez votre Oui, état, bien monsieur, sûr, au bien cas sûr. où. Du coup, monsieur, comment vous m'avez dit? Adjudant Jordan Belfort, monsieur. Vous savez très Salut bien River RG, bienvenue à toi. C'est normal les que petits c'est temps de latence. Non, ça doit venir chez toi parce que nous on n'a aucun souci. cru Jensen. Oui, tout à fait, Alors, celui-là. juste que je pourrais avoir votre identité, s'il vous plaît. Ah oui, bien sûr, attends, je vais vous donner mon identité, monsieur le policier. Voilà, et je donne à qui d'autre? Ben, Je non, donne c'est bon, moi à ça suffira, monsieur, ça brigadier. suffit. Alors, attendez, bougez pas, je vais vous remettre les menottes. N'oubliez pas, Judan, que pour les amendes, vaut mieux regarder quantité et le prix des bourses. Ça va pas Ouais, trop en affirmatif. système. Non, ça va, c'est pas trop serré là, monsieur? Ah, ça va, ça c'est pas D'accord, mal. recrute Jensen, vous le mettez dans la Dodge, vous le conduisez au commissariat et nous, on va se rejoindre au commissariat avec les véhicules. J'ai reçu mon adjudant. Monsieur, vous êtes placé en état d'arrestation. Hein. Vous allez être accompagné, escorté directement au commissariat le plus proche. Bienvenue Très en tout bien, cas, est-ce que monsieur c'est River. que la prison, monsieur l'agent? Pour ce genre de choses, oui, monsieur. Oui, tout à fait. Je vous rappelle que la drogue est interdite sur l'île. Peu importe l'usage. Ah, bien sûr. Comme quoi, recrute Jensen, vous voyez, vous ennuyez, mais Je a sais, mais priori. j'apprends. Ah, ça mord plutôt pas mal, à mon adjudant. Ouais, a priori, le trafic s'arrête jamais. Hein. Ouais, c'est à toi de régler la qualité en fait, River, en fonction de ta connexion, vu qu'on a la chance Ah, d'avoir par pas mal contre, de. j'ai perdu le traceur GPS du Zamak. Merci, il a sans doute rangé son véhicule, je pense. Attention, Attendez, Hers, surtout en amont. Hein. Ouais. Ouais, les Hers, Franchement, merci. le Zamak a été
visiblement rangés ou une autre chose, mais plus non ils plus sont les camions, ouais, ils sont via plein les camions, ouais. Le porte-clés. Ramassez les RCP si on passe en nettoyer la zone. J'ai reçu, je m'en occupe, vous pouvez continuer. Moi je vais continuer, mais je crois que le brigadier Vatrouche qui ne peut pas ramasser toutes les hers, en fait, il peut ramasser que les hers que lui-même a posé. Bien reçu. Parce qu'il a une façon de, attends, de nouer pas, les barbelés assez spécial. Il y en a une autre ici, brigadier, par contre. Oui, il y en avait une autre. Je crois que vous l'avez récupéré. Moi, c'est bon, vous avez tout récupéré. Hein. Donc, qu'est-ce qui est arrivé à votre collègue exactement, monsieur? Je pense qu'il y a eu de la magie noire et je crois qu'il y a eu un transit qui vient vers vous, monsieur. Bien reçu, on laisse passer ou on interpelle? Laissez passer, on a rien contre eux pour l'instant. Bien reçu. À moins que quelqu'un ait un traceur GPS et sur lui, et dans ce cas-là, vous l'interpellez et faites la conversation pour lui en poser. Absolument pas, malheureusement. Alors tant pis, on laisse passer, on reviendra sur zone rapidement après. Bien reçu. Oh, il y a encore de l'action juste après, là. Oh, c'est bon, ça. Monsieur l'agent, il y a de la magie noire, hein. Vous faites n'importe quoi dans le véhicule de police, là. Pour moi, il n'y a aucune magie noire, monsieur. Pas de quoi vous parler. Vraiment bizarre, là. Il est passé devant vous, brigadier Vatrouchkine, le transit. Non, en effet, il va bien au champ. Enfin, il y a que okay. Là-bas et puis le ok, bon, Ford Transit noir recherché, on le tapera plus tard. Hein. Bon, bah après, faudra retourner encore au champ. Putain, c'est de la grosse saisie là aujourd'hui. Donc voilà, code jaune sur le Ford Transit, ça justifie une fouille du véhicule plus tard. Hein. Et je risque combien de temps de prison en fait là, monsieur? Monsieur, on verra ça arriver au commissariat pour le moment. Je peux rien en vous dire pour le moment. Vous allez être passé en garde à vue, monsieur, sur 12 heures ouvrables. Le transit a fait le demi-tour, il est en train de me suivre. Vous serez placé en garde à vue, hein, je disais, pendant 12 heures. Ok, vous arrêtez pas, je vous attends à tir. Monsieur, ça doit être. Peut-être c'est le cousin du monsieur qui possède. Vous voulez que je patiente ou que je fonce? Non, allez-y. Bien reçu. Vous avez besoin de manger et boire, monsieur, dites-moi. Oui, affirmatif, ouais. Très bien, vous aurez tout ça arrivé au commissariat, on va pas tarder à arriver. Allez-y, brigadier, allez-y. Hein. Bon, là, on a chopé un mec qui est en train de ramasser de la drogue. Ok, deux hommes en costume à l'intérieur. Ok, mais allô, la police. Allez vous mettre en position dans le commissariat assez rapidement. Et ensuite, je mets la personne en sécurité. Ouais, vous mettez la personne en sécurité dans la salle d'interrogatoire, et puis, enfin, dans la cellule, et puis brigadier Vatrouchkine qui nous déposait le camion et vous mettez en véhicule. Ah. Adjudant Belfort, je vous écoute. Les gyrophares sont mis. Belfort, hein. Je vous écoute. Les gyrophares, ils sont mis, hein, regarde bien. Allô, la police. Adjudant Belfort, je vous écoute. Je pourrais savoir pourquoi vous avez ma fourgonnette là? C'est votre véhicule, le fourgon caisse? Eh oui, monsieur. Alors présentez-vous immédiatement au commissaire Latira. Ok, merci, j'arrive. Oui, tout à fait, je vous entends, monsieur. Ne bougez pas, je vais vous escorter. Bon, a priori, l'individu, le propriétaire de la fourgonnette, le camion caisse va se présenter au commissaire Latira. Bon, c'est pas très malin, mais. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ne bougez pas, monsieur, on va s'occuper de vous dans quelques minutes. Bah, n'oubliez pas que j'ai quand même faim et soif, c'est possible. Oui, oui, je vous donne ça immédiatement, monsieur, ne bougez pas. C'est très bien. Voilà, monsieur.
Je reviens dans quelques minutes, ne bougez pas. Là, j'ai eu Ferme quelques la idées. porte à clé. Restez sur vos gardes. Bon là apparemment on va attendre. Je crois que ça va mal se passer là. Je crois que ça va mal se passer là. Ouais, y a pas de soucis, t'inquiète la batterie, cette vitesse. Me procurer ce jeu, à combien il coûte-t-il? Quand vous Chevry. quittez la zone, pas un parking, vous vous garez en face. Chevry, le jeu est disponible sur Le Steam à jeu. 45 euros et à 28 sur G2A. Venez Ou voir, Instant venez Gaming, voir. tout simplement. Vous êtes bien le propriétaire de la fourgonnette, là, le camion caisse. Oui, j'ai loué à quelqu'un. Ah, vous l'avez loué à quelqu'un. Pour l'instant, ça va pas être possible de la récupérer, mais Bon, pourquoi? vous allez rester par là avec le brigadier Vatrouchkine et la recrute Jensen. Moi, je reviens tout de suite. Ouais, j'ai rien fait de rien, moi, j'ai rien fait, Mais moi. personne n'a dit ça pour l'instant. Je vais me placer dans la tour, on sait jamais, parce que j'ai l'impression qu'on va se faire attaquer là. Je me suis placé dans la tour hein, du commissariat. Donnez-moi l'individu de la personne qui vient récupérer son fourgon caisse, s'il vous plaît, j'ai oublié de lui demander. C'est Monsieur Ursio Genovese. Je vous remercie. Qu'est-ce que fout la Sparta Security ici? Qu'est-ce qu'elle fout là, elle? Je l'ai eu à 27 à l'époque au lieu de 50 sur Steam. Ouais, elle est en promotion. Salut à toi, Arma Boy. Donc là, on a chopé un individu, hein, deux individus qui ont de la drogue. Ils pourraient avoir leurs camarades qui pourraient revenir, donc dans le doute, on reste à l'affût. Hein. Je sais pas ce qu'ils font là-bas. Tu vois, donc le truc médical, il est ouvert là. Bizarre. Audi noir là. Où t'as vu une Audi noire? Ah, tu parles de là-bas? Ouais, non mais c'est le mec de la Sparta Security. On reste parce que la drogue, on sait jamais, on peut tomber sur des mecs assez bizarres. Recrute Jensen, retournez vous occuper du monsieur, s'il vous plaît. Bien reçu, j'y vais immédiatement. Bon, on a été appelé, histoire finit le tour de garde. Je procède à l'amende. Attendez, attendez. Bien reçu. Alors, monsieur, est-ce que vous auriez peut-être des informations à nous divulguer par rapport Ah, tout à à ce que vous fait, faites? c'était pour ça, je voulais parler avec vous Yeux Darkoun, bienvenue à toi. pour vous parler un peu. Bien sûr, attendez, bougez pas, je vais Pour fermer vous la donner porte quelques que. infos, histoire de coopérer, quoi. Bien sûr, à savoir, monsieur, que si vous avez des informations intéressantes. Merde, je parle pas. Savoir que si vous avez des informations, monsieur, intéressantes à nous Voilà, c'est ça, à nous je donner. voulais coopérer avec vous, je Tout voulais à fait. vous donner des infos. Alors, du coup, je vais vous Remets, c'est donner sûr, les comment tu vas? positions. Parce que, en fait, si vous voulez, j'ai travaillé pour des rebelles, dont je ne fais pas partie, hein, mais.
Je sais pas si vous connaissez la French Connection, vous avez peut-être sûrement entendu déjà parler d'eux. Oui, c'est fort probable, on a entendu parler de Vous mafieux, mais pas donnez de nom. les positions, les Oui. positions à chaque fois quand ils font travailler des gens sur la cocaïne, Celui je qui est peux vous sur le dire à chaque parking, fois là, où ils se enfin, sur placent lui. Bon, à attendez. chaque Ouais, fois où restez, ils se faites cachent et attention, ils comment. contrôlent les gens avec qui ils travaillent. Très bien, Faites-les allez-y. sortir du commissariat d'ailleurs, le temps Alors, qu'on communiquez-moi ça. fasse tout le nécessaire. Une première position où ils sont souvent là, c'est en 107, 105. Très bien. C'est au niveau de la porte du mur de la presqu'île. Très bien. Et la deuxième position, c'est Merci pour ton follow, monsieur en Lan. Bienvenue à toi. Bonne année, bonne santé, 156, plein d'autres choses. 162. Attendez, vous pouvez répéter s'il vous plaît la position? 156, 162. 156. Au niveau du Ok, tremplin. Paul Cross, ils sont sur le parking, bien Côté analysé. est, ils se mettent au niveau de la sortie du tremplin. Et Mmh. là, ils se placent et ils vérifient si les gens avec qui ils travaillent, si c'est bon ou si c'est des gens qui leur ont pas avec lesquels ils sont pas autorisés à travailler sur leur territoire, etc. Et du coup, là, ils leur prennent toute leur cargaison, etc. Très bien, c'est noté. Vous avez autre chose à nous divulguer, monsieur? Imluka, en fait, il y a pas mal de monde là en ce moment, des Bah écoutez, 32. je vous ai dit tout ce que je savais. Hein. Très bien. Très bien, c'est noté. Donc je prends des positions comme quoi vous avez coopéré avec nous. Vous allez sans doute avoir une réduction de peine. Savoir, monsieur, que là vous encourez pour possession de divers drogues une amende de 50% de la saisie, plus immobilisation définitive de votre véhicule, plus. Donc monsieur, est-ce que, excusez-moi de vous Y a couper, recrue, aucun souci, mon adjudant. donc vous écoperez d'une amende de Wadox. 15 000 dollars, monsieur. Salut Wadox. Je vous demandais aussi s'il a les Ensuite, clés du fourgon est-ce que vous caisse. avez les clés du fourgon caisse, monsieur? Vous payerez pas l'amende sur le. Attendez, vous payerez pas l'amende sur le fourgon caisse, hein, l'amende. J'avais placé des Non, traceurs sur les d'accord, deux bah, j'ai véhicules. pas les moyens, mais on Vous verra avez les comment ça. clés du fourgon caisse, monsieur? Ouais, je vous les ai donnés là, Vous avez reçu les clés, recrue Jensen? Absolument pas, mon adjudant, absolument pas. pas reçu non plus. Merde, j'ai couru trop vite. Recrue Jensen, s'il vous plaît, démenottez la personne Oui, et. immédiatement. Affirmatif. Ah non, Ah c'est bon, merde. d'accord. Non, non, c'est bon, c'est bon. Attends pour moi. Vous Donc l'avez? vous procédez à la vente du monsieur. C'est 15 000 dollars d'amende, recrue Jensen. Bien reçu. Je procède immédiatement. Regardez. Donc monsieur, ne bougez pas, je vais m'occuper de vous dans quelques secondes. Vas-y. On va mettre un petit traceur rapidement, on sait jamais. Salut Amexia. Didier. M'occupe immédiatement de son amende. À suivre dans le prochain épisode.